Bonjour les dames et messieurs, bonjour Balandele Abisso Nyoso, Balandi Abisso ya Congo Live TV. Bienvenue à Kolanda ba analyse ya Abisso ya lelo samedi 23 décembre 2023. Ezalaka epesaka biso kitoko na motema, tomiokaka bien na motema, Herboza wana toujours connecté sur Congo Live TV. Lelo tozana ba sije ebele oyo tokolobela mais tokobandela nanu na ya sécurité na est ya République démocratique du Congo. Comme nous l'avons signalé depuis lobiwana bitumba ebandala kilisusu na Masisi entre ba M23 na Bazalendo. Ezala ki ya ko signalé c'est le fait yango esengela ki c'est le fait ezala signalé mais depuis lobiwana ça a été remarqué que c'est le fait a été violé. Et puis à cette occasion bitumba ezalaki na ngolo biwana ba betanaki comme pas possible bazalaki ko betana M23 et kendaki nango ezo pousa na po ekoma na cité ya Rubaya. Malheureusement bazwaki yango te bazalindu yango basalaki manso le bazalindu ont tout fait pour que le M23 bazwa cité yango te. Communiqué de presse de ce 22 décembre 2023, ya Bazalen Duango et Lobindengenini Tolanda. Nous, coalition des patriotes résistants congolais, PARECO en sigle, informe la communauté congolaise qu'aujourd'hui, les RDF M23 a attaqué nos positions de Gatama, Nyamirazo, en passant par la paroisse de Matanda, Kindouzi et Bihambwe. Mais toutes ces tentatives n'ont pas réussi. Ils se sont croisés à contre-attaque et une farouche résistance de nos jeunes patriotes qui se sont défendus professionnellement. À l'heure actuelle, nous contrôlons nos anciennes positions et nous récupérons, et nous avons récupéré la haute montagne de Kaoundou, où l'ennemi avait érigé sa grande base. Nous remercions les vaillants jeunes et nous disons courage pour l'esprit de l'amour de notre cher et bon pays. Nous recommandons à la population congolaise de faire confiance au PARECO et nous défendrons jusqu'au sacrifice suprême notre parti, car c'est la patrie ou la mort. Pour les PARECO, Sambimana Serafe porte-parole na bango. Waneza communiqué na bango oyo ba pesaki lobby ya kolobake M23 et attaqué ba position na bango oyo babandaki kofanda pendant que bazalaki na bango wana bazo tala bazo observer les cessez-le-feu mais malheureusement les M23 yango et respectaki yango te. Na parti ya M23 ou na côté ya M23 les M23 acquisent également banani ba bazalendo ango ke bango nde ba bandaki ko attaqué bango. Donc na parti moko eza bazalendo nde bazo akize ba M23 na parti mosusu ba M23 nde bazo akize bazalendo. Bazo beta na bitumba eza non loin na cité minière ya Rubaya place oyo eza musika te po batu bakoma na Goma. Nous avons observé avec notre intérêt lobby journée Nengeleka qui na bitumba wana. Beaucoup de gens venaient na cité wana bazo kima bazo ya na Goma et puis ba source oyo ezakuna et ebisi biso ke non ba rebelle yango bagungu na M23 baza musikate na cité wana minière. Donc retenez que na tongo ya lelo nanu tozwi basango ya kuna te soki bitumba ekontinuaki soki bafandi soki ezaka ndenge nini mais tozo observer et puis boza wana tokopesa bino suite ya makambo yango ndenge ezo kende kuna batu ebele bazo zela bitumba yango ezo sila esila pluton batu ebele bazo zela bayoka oyo bakonzi ya mboka oyo baza concerné na likambo wana nini bakoloba po
Ba fête yango ya suka ya mbula ezo kende koya. Alors bazo mituna soki eko continue kaka boeti mbula yango esila. Pendant que les gens qui vivent dans cette entité voulaient bel et bien passer la fin de cette année na kimia, na boboto, na malamu nyoso. Une chose qui n'est pas vraiment telle que bango ba envisage ki yango. Yango bazo senga. Na bakonzi ya mboka oyo baza concerné na sécurité nyoso ya mboka ke basunga bango bamona boni makambo ane kosila basunga bango bamona boni bitumbe kosila basunga bango bamona boni eloko wana ekozala nango na suka po bazala libéré po na parti na bango ba victime yango bazoki makuna balobi bango balembi na bitumba wana balembi kokima butu pe moyi. Toujours, ba source na biso oyo eza sur place et o signalé biso ke no bayoka ke ke no koza ba biloko mosusu elingi ekoma dans le sens ke balingi ba tinda ba opérateur mosusu soki batu oyo ba kosunga bitumba wana ezo sila na parti ya SADC bango bazolo ba suggestion na bango ndenge ba bande ko yebisa biso lobby mokolo tomona ki bango bazo ki ma bitumba ou de personnes qui sont présent place kuna bitumba ezoleka balobi na bango ke non gouvernement congolais eko sunga bango bango wana eza demande o babandaki kosala bazolo ba entre kati na bango ke non gouvernement congolais eko sunga bango bamona boni ya ko appuyer basoda o ya Congo bamona boni ba ko appuyer oyo bazalendu bamona boni ba ko appuyer oyo batu baza concerné na sécurité na kati ya mboka na biso po bamona boni bako silisa bitumba yango olie ko bendela bango batu mosusu oyo bazo bima libanda ya mboka al exemple ya EAC oyo ekendaki oyo bango moko ba manifestaki ba monisi ke no EAC ezo sale lokote EAC ezo sunga bango te EAC ezo betana te yango wana bazalaki ko sala ba marche likolo ya EAC yango EAC ekendaki alors bango basengi ke olie ke bitumba wana eya pe e continue na batu mosusu oyo bauti libanda ya mboka vomie ko apuye batu wana oyo baza na kati ya mboka batia bango badote bango ba eloko nyoso po bamona boni bako betana boni bako kufa po na ekolo exemple ya batu oyo babande koloba keno bakonzi ya mboka ndenge bayebisaki biso keno baza deja na ba reserviste ya ba jeune oyo baza na kati ya Goma o babimaki Kisangani po na formation eko sale manango keno ba jeune wana bazwi bango et puis ba jeune wana après kozwa bango batindi bango kuna ba renforcer batu bazo betana al exemple ya bazalendu yango ba patriote ya mboka ndenge babenga maka et puis basunga pe ba far de se oyo bazaka kakuna na ba ligne de front ba mona boni bako kimisa munguna. Voilà à ce qui concerne la sécurité à l'est de la République apparaît sta oyo tozo lobela bino. Donc bitumbe banda ki depuis lobby batu ebele bazo kima na cité minière wana bazo kimela na Goma po wana na Goma eza vraiment musikate ba bandi ko kima ba ye na Goma bazo sacrifier vie na bango ba risque bango ya koloba keno ba risque koleka na nzela yango soki bakokufa bakufa soki kozala ndenge nini ezala me bakimi nanu na Goma po baebi apparaît insta na Goma eloko ekozwa bango te tala ndenge bitumba ezo leka tozo observer ya lelo toye ba ndenge nini boni bakozala soki bako continue observer c'est le fait oyo ba viola ki lobby soki bako sala ndenge nini totala boni makambo ekozala pelelo observons ce qui va se faire aujourd'hui observons la situation comment ça va se dérouler soki e continue toko informer bino kaka ndenge ezalaka chaque jour balandi na biso ya Congo Live TV tolobela mwa muke masolo oyo ya ba résultat ya élection ya ba président de la République oyo bimi na diaspora. Makambo yango etamboli na mboka Congo, makambo yango etamboli mokili mobimba ba Congolais bazalaki en attente ya ba résultat. Ndenge senye lobaki yango ke zalaki prévu ke ba résultat e bandela déjà kobima a partir à lobby wana vendredi 22 décembre 2023. Heureusement senye e respecta ki li lobana bango ndenge ba lobaki et puis résultat ya yambo oyo bimaki ezalaki ba résultat oyo ya ba diaspora c'est-à-dire ya ba 5 pays wana ezaki concerné
pona kosala vote ya ba président de la République. Ba Congolais nyoso bazozela jusqu'à présent na intention nyoso bayeba nani akozala président ya République démocratique du Congo dira les 5 bonnes années oyo ezoya yango ba résultat ebimaki lobby wana ndenge seni elekisaki biso ke non les résultats comme oyebimaki il a été remarqué que monsieur Félix Antoine Tshisekedi aza na mutu ya masolo ya élection oyo basala ki kuna donc il est à la tête il est le numéro 1 ya élection et le kaki na 5 pays ya diaspora donc ba vota ki massivement une chose qui démontre oyo batu bazolo ba déjà na kati ya mboka Congo à l'exemple ya Goma keno apparemment les diasporans bazolinga ba soutenir chef de l'état pour bien continuer vision na ye ya ko bongisa mboka ndenge bazolo ba plusieurs batu na kati ya ville ya Goma bazolo ba keno ba apparemment ba batu ya diaspora ba vota ki Félix Antoine Tshisekedi massivement parce que bazana posa ya ko soutenir ye pe a continuer vision na ye. Les résultats des élections présidentielles condensées de la diaspora reflètent l'adhésion des Congolais de la diaspora à la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste en tête avec une large victoire na ba côté wana. C'est le cas de l'Afrique du Sud, place et Afrique du Sud de Félix Antoine Tshisekedi Azouaki 81,27%, soit 1167 voix. Donc boyo kama solango ndenge zaki Afrique du Sud résultat ya Afrique du Sud na epa ya Fati eza 1167 voix soit 81,27%. Ce qui te joue à Moïse Katumbi po bazolanda ye na Moïse Katumbi comme ça a été observé c'est eza Moïse Katumbi te eza Félix Antoine Tshisekedi te tendance oyo batu mosusu bazo croire que peut-être eza ka deux candidats pendant qu'il y avait beaucoup de candidats mais batu bazo bazaki ko voter vraiment massivement soit Moïse Katumbi soit Félix Tshisekedi ndenge babani kolanda na bango ndenge moko kaka le cas ya Afrique du Sud et pa ya nani ya Moïse Katumbi azwa ki 13,58% soit 195 voix na Afrique du Sud wana résultat ce qui tokay Belgique et lobby ndenge nini na élection ba président de la République Félix Tshisekedi azwa ki na 75,94% wana na Belgique place abanda ki ko fanda mingi et monani ki est vraiment na bato ba fanda na Belgique bazaki vraiment na posa ya ko voter po ba accompagner na vision na ye prenons le cas ya Canada na Canada le cas ki ndenge nini ba élection ya ba président de la République Félix Antoine Tshisekedi azwa ki na ye 72,33% wana za na Canada ba congolais o ba fanda na Canada bazalaki ebele ya ko ya ko voter Félix Antoine Tshisekedi parlons-en un peu na USA. USA ba votaki Félix Tshisekedi wana azwaki na ye 78,88% soit 127 voix. Moïse Katumbi oyo azwaki na ye na USA 18 voix. Donc yango wana masolo ezo continuer. Ce que tu joues France, oh, c'est le dernier pays parmi les 5 pays où il y a diaspora. Et ça, là, qui va élection pour la première fois, tu tenter la bise que ça, là, va élection, paye à la diaspora. C'est-à-dire, il y a des Congolais, oh, bazo vivre, li banda ya mboka. Bah, résultat, il y a France, et ça, qui Félix Tshisekedi a obtenu 1697 voix, soit 85,58%. 85,58%. Moïse Katumbi, na parti ya France azwa ki seulement ça et du voix. Ça sont les résultats oyo seni est dévoilé depuis vendredi na Butuana nde ba résultat yango ebimi. Batu ebele bazala ki en attente ya ba résultat ya koyeba na diaspora nani mutu alonga ki moninga, nani mutu azwa ki place ya koleka ya moninga, nani mutu azwa ki plus de voix
koleka moninga nani mutu azaki na ba chance ebele ya koleka na diaspora yango to observer avec toute honnêteté o ya ba résultat seni e kabela ki biso depuis butu ya lobby eza ya komonisa keno Félix Antoine Tshisekedi prime pe atikali na mutu ya ba élection oyo ya diaspora en attendant tozo zela ba élection oyo salema ki na mboka wana eza déjà oyo ya diaspora eleki tozo zela pe totala oyo ya mboka oyo ba résultat ezo salema ba compilation na bango na centre Bosolo oyo ya Seni etiaki na Kinshasa po wana nde place ba résultat nyonso bazo sala compilation na bango Seni je rappelle bien et sala ki appel ya ba candidat nyonso président de la République ba ya wana ba fanda ba sala ba compilation elongo po mutu alobate ki no ba ebela ki ye po moninga alobake no ezalaki ya ye ba voix oyo ba pesaki moninga voilà donc ba résultat oyo tozo zela ya kati ya mboka sikoyo oyo Seni erasira ki depuis kala ke kosala ba résultat bureau de vote par bureau de vote yango tozo observer une chose qu'on est en train d'observer depuis longtemps comment est-ce que les affichages bazo sala yango na ba bureau de vote par bureau de vote donc ba résultat oyo ya Seni tozo zela yango ba résultat oyo ya Seni population congolaise ezo zela yango ba résultat ya Seni province par province ezo senga yango et base oyo ya Congo nos sources bazo lobanini batu oyo baza sur terrain bazo lobanini batu wana baza sur terrain bango bazo lobakeno ils attendent la vérité auprès de la Seni ils attendent la transparence à la Seni ils attendent eloko oyo ya malonga et pa ya Seni bango bazo zela keno Seni est proclamé mutu oyo alongaki Seni est proclamé mutu oyo azwaki ba point ebele koleka moninga voilà donc demande ya population congolaise oyo ezo sala et pa ya ya commission électorale nationale indépendante oyo mokonzi nango eza Denis Kadima oyo asali eloko nanu esalemate vraiment malgré ba défaut oyo komaki malgré ba problème oyo komaki vraiment coup de chapeau et pa ya Denis Kadima o mutu asalaki ke élection esalema na délai constitutionnel mais également basala ki essaie à komona soki élection ko salema pe au diaspora eloko oyo simbaki également basali ke non ba résultat e banda ko bima bureau de vote par bureau de vote eloko oyo salemi basali pe système ya ko sala ke non place ya compilation ezala ouvert à tout le monde donc ezaki noté ba membre ya syndicat de ba batami kuna ba bombami il se cache pour faire des compilations non ils mettent ça à vie ya ba candidat nyonso wana na ba équipe na bango tala ndenge tozo zela tala ndenge tozo mona boni ba résultat et ko continue nous espérons que avant le 30 décembre au balobi to le 31 avant que mbula oyo esila on aura déjà les résultats ya nani oyo a remporté ki victoire face à ces élections nani mutu oyo azwaki ba point ebele nani oyo mutu a mérité kozala mokonzi ya mboka ya Congo après là après ba résultat ya diaspora on va procéder ndenge balobaki bako procéder na ba résultat ya province par province c'est-à-dire soki bako bandela na province ya Nord Kivu soki bako bandela na province ya Sud Kivu soki bako bandela na province ya Congo central nga na yo to ebite mais eloko moko il faut totia na mutu ki Seni et continuer ba proclamation ya ba résultat et puis na kati ya mboka et ko salema nanu province par province donc et ko banda ko yeba makeno mutu fulani mutu tsongolo azwaki na ye na telle province tel résultat oyo salaki ke non na province tel mosusu azwaki tel résultat oyo salaki ke non soki bazwi ba des résultats wana oyo aleki oyo oyo aza vraiment confiant et puis il faut azala mokonzi ya mboka voilà donc un peu oyo population ya Congo ezozela et pa ya Seni Seni oyo ko proclamé ba résultat pe kala mingi te tokoyeba eloko oyo eleka ki na ba irne tokoyeba vérité ya irne ndenge balobaka yango voilà un peu ce qui concerne situation oyo ezoleka na mboka na batu oyo basala ki ba campagne na bango en attendant que non Seni est proclamé ba résultat ata ya ba député oyo tozoloba vraiment
tuni to bengi batu nyoso bazala apaisé. Seni ekopesa ba résultat oyo eza fiable, seni ekopesa ba résultat oyo eza vraiment véridique car yango esalaka na transparence nyoso, yango esalaka na boboto nyoso. Donc bazala na bango patient, bazala na bango ya kofanda pe biloko ekozala bien. Seulement que ba population congolaise yango bazolo ba mokonzi oyo ya kokota, mokonzi lokola oyo ya kokota président de la République, ba population congolaise bazozela ebele koya naye. Province na province eza na ba problème naye. Province na province eza na ba difficulté naye. Donc vraiment aza na grand morceau dire à croquer face au problème pe ba défi oyo eza na kati ya mboka, notamment l'insécurité qui prime à l'est de la République, notamment ba chômage ya ba jeune oyo eza encore na ba province mosusu, notamment ba problème ebele ba économie et tout le reste et taux d'échange na ba bloko ebele, ba espérer que no mutu oyo akokota, mutu oyo akozwa chance ya kokoma président de la République akosala manso po esila. Na ce qui concerne sécurité awa na est ya République, ko continuer ya masolo ndenge zo continuer lisolo ango ndenge zo batama, tokoyebisa bino wapi place ekomeli, surtout à ce qui concerne oyo ebandaki depuis lobi Bitumba non loin ya cité oyo minière. Donc merci beaucoup kolanda biso de partout ozo bozo landa biso na kati ya mboka, à l'extérieur ya mboka, tolinga kabino ndenge bolanda kabiso sur Congo Live TV. Merci beaucoup vraiment et nous disons grand merci. Benganga Youssouf Kibingila, David Dinaza, journaliste à Congo Live TV. Et puis pour plus d'informations, Benganga sur 09 93 46 71 93. Merci beaucoup et excellente journée, surtout beau week-end et à la prochaine.